sommes tous composés de milliards de cellules. Jusqu'à présent, pour observer ces cellules, nous avions à notre disposition que le microscope. Donc, à l'Université Lyon 1, nous avons réalisé une expérience de réalité virtuelle appelée CellVR, destinée aux étudiants de biologie dès la sortie de leur bac. Donc aujourd'hui, grâce à la réalité virtuelle, on peut s'immerger réellement à l'intérieur de la cellule. Donc les étudiants vont suivre un itinéraire en partant d'une plaie de la peau et puis ils vont pouvoir manipuler différents constituants cellulaires, déclencher des mécanismes cellulaires et ainsi améliorer leur compréhension du fonctionnement d'une cellule. Chose que l'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent à l'aide d'un simple microscope. La VR permet de passer d'une échelle cellulaire à une échelle moléculaire de façon simple et rapide. Ce projet a été un grand défi technique, car bien que la zone étudiée soit très petite, il y a énormément d'éléments à afficher. Nous avons donc dû faire des choix avec les enseignants afin de se concentrer sur les éléments essentiels. L'application CellVR est mise à disposition des étudiants dans le Virtual Lab. Cet espace, que l'on peut considérer comme un Learning Lab enrichi, a été aménagé par le service ICAP de l'Université Lyon 1 grâce à un financement de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Disponible sur le campus de la DOI, le Virtual Lab permet d'immerger les étudiants dans des expériences d'apprentissage inédites. La salle dispose d'une dizaine de postes, tous équipés de casques de réalité virtuelle Oculus Rift S, d'un mur inscriptible, d'un tableau blanc interactif et de tout le mobilier nécessaire pour la pratique de la pédagogie innovante. Les enseignants de l'université peuvent ainsi repenser leur TP, on favorise l'échange, le travail collaboratif et on met à disposition toutes les applications et le matériel nécessaires pour la pratique des pédagogies immersives. Ils peuvent ainsi innover dans leur façon d'enseigner.